Les cafés Malongo sont nés, ont été créés à Nice en 1934, rue Les Pentes. Et c'était une petite torréfaction qui a grandi, grandi, grandi. Aujourd'hui, c'est une société, une belle PME, qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie 400 personnes et qui se développe de plus en plus à l'exportation. Nous travaillons avec des coopératives de petits planteurs et nous essayons de promouvoir la qualité des produits qui sont torréfiés à Nice, qui sont conditionnés et qui sont envoyés dans tous les coins du monde. Alors, je suis l'ambassadeur de la Côte d'Azur parce que je suis né sur la Côte d'Azur. Nous avons décidé une fois pour toutes que la Côte d'Azur, c'était un lieu possible. On est bien, le personnel y est bien. Quand on est installé à la Gaude, on a une vue sur les montagnes qui est absolument magnifique. Donc on travaille dans de bonnes conditions, donc on fait de meilleurs produits, mieux réalisés et mieux vendus. La Côte d'Azur a des atouts quand nous sommes à l'étranger, c'est-à-dire qu'elle véhicule une image autour d'une façon de vivre différente. Donc de ce fait, tout le monde sait où nous sommes et tout le monde a envie de venir nous voir. Et donc on attire à la fois nos clients, mais à la fois je pense d'autres entreprises. Il y a des gens qualifiés, nous sommes au cœur de l'Europe, quand on doit voyager c'est beaucoup plus facile que même à Paris. Les temps de trajet sont beaucoup plus courts et voilà, donc je suis pour moi l'image même de ce que l'on peut faire, je pense, sur la Côte d'Azur et surtout véhiculer cette image à l'étranger.